Salut à tous, salut à toutes, c'est GG, bienvenue sur MathCity. Aujourd'hui, ça va être une petite vidéo assez différente de celle que je fais d'habitude, même si j'en ai fait quelques-unes comme ça. Je vais vous présenter la démo de Mass Effect 3, qui est sortie il y a quelques temps sur le PSN, pour la sortie du jeu qui aura lieu dans la semaine. Voilà, bonne vidéo. Voilà, donc c'est parti. Donc ça va être une petite vidéo découverte, un petit peu découverte parce que je connais pas vraiment la série des Mass Effect. Très bonne série d'ailleurs, d'après ce que j'ai compris. Donc là déjà, on est sur la démo. Donc on devait choisir entre homme ou femme, j'ai pris la femme. Parce que d'habitude c'est l'homme qu'on présente, j'ai mis la femme. Donc là on a trois choix, action, jeu de rôle ou histoire. Je crois que j'avais déjà essayé action, j'avais déjà essayé, et bon, c'est l'action pure et dure, on n'a pas eu le choix sur la façon dont le personnage doit et ni sur les réponses qu'on peut donner. Donc j'ai essayé un petit peu le mode histoire, je me rappelle plus. On va voir le jeu de rôle pour voir. Donc, bah oui, j'ai été la femme, donc on prend la femme. Et vous confirmez vos états de service. Oh, puisque vous êtes intégré au service actif, d'accord. Ok. Donc, ah, donc on peut personnaliser. Ça c'est pas mal. Donc on va essayer de personnaliser un petit peu. Donc alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, ça fait un peu bouffi, non. Non, de toute façon, on va laisser comme c'était. On va jamais sûr. Tête. Donc ça c'est pour le coup, donc on voit pas. Tiens, du visage, je vois pas. L'argent des joues, je vois rien. Pommette, et pour l'instant je vois pas la différence. Hein. Non, de toute façon, la taille des oreilles, on s'en fout. Comme c'était, yeux. Ah, là on voit. Hop, autant des yeux. Ah, j'en disais, on voit rien. Donc, accepter, mâchoire. Mais ça a l'air assez basique quand même, comme un. Ah non, voilà, ça c'est pas mal. Accentuation de la bouche. Ouais, c'est comme ça, nez. Ah, celui-là, j'ai dit, hauteur. Voilà, là, on voit. Voilà, on peut vraiment personnaliser, ça c'est pas mal. Ah là, ça j'adore. Ah, c'est comme ça j'adore. Sourcil. Celui-là, couleur de sourcil. Voilà, ça j'aime bien. Maquillage, couleur des pommettes. Voilà, couleur des lèvres. Ah, ça j'adore. Confirmer la sélection. Voilà. Donc après, on choisit quelle classe on est. Donc là, pareil, franchement, j'ai à peine testé le jeu. La démo, donc on va prendre soldat terrien, bien sûr, parce qu'on est la terre. On a dû entrer au service au service à la PVDB, en tout cas militaire. On vous a trouvé face à une ennemie exposante. On va mettre rescapé. Donc là aussi, je sais pas si c'est un rapport avec le scénario ou pas. Je précise encore une chose, je précise encore une fois, je connais pas Mass Effect 2 ni Mass Effect 3 non. Donc je peux rien savoir si entre ces trois choix, ça va jouer sur quelque chose ou pas, ou si c'est tiré du scénario du 2. J'en ai aucune idée. Donc multiple, voilà, bon bah c'est comme ça. Hein. Allez, c'est parti. Je vais essayer un truc pour confirmer les informations après mon petit. Je pourrais pas de découverte de la démo de multijoueur, je veux dire. Je vous laisse regarder les images. Par contre, c'est sous-titré en français, c'est pas traduit en français. Les voix sont en anglais, c'est excellente qualité. C'est traduit en français. Donc vous inquiétez pas si vous voyez rien, c'est normal. J'ai pas une télé HD pour, mais on fait avec. How bad is it? We just lost contact with two of our deep space outposts. There's something massive on long-range scanners. Is this what Shepard warned us about? I'd stake my life on it.
How long do we have? Not long. I sent word. The fleets are moving out. God help us all. C'est pour juste vous dire qu'en 2057, on a découvert qu'on n'était pas les seuls. 30 ans plus tard, on a tous eu sur quelque chose. En fait, c'est un petit résumé du scénario des épisodes d'avant. Donc, si vous avez joué aux épisodes d'avant, vous avez un petit peu compris. J'espère que c'est pas trop sombre, que vous voyez bien. Moi, c'est pas mal sombre. Couldn't say. Just told me they needed you. Now. Anderson? Admiral? You look good, Shepard. Maybe a little soft around the edges. How are you holding up since being relieved from duty? It's not so bad once you get used to the hot food and the soft beds. We'll get it sorted. What's going on? Why is everyone in such a hurry? Admiral Hackett's mobilizing the fleets. I'm guessing words made it to Alliance Command. Something big is headed our way. The Reapers? We don't know. Not for certain. What else could it be? If I knew that. Voilà, premier choix de réponse déjà. Donc, en gros, j'explique en une dizaine de secondes, la Terre se fait attaquer. Ils pensent tous que c'est Moissonneur qui attaque, donc c'est pour ça qu'ils vont réintégrer Shepard dans ses fonctions. Donc là, soit je lui dis il fallait mieux se préparer, soit je lui dis je sais. Donc je pense que j'ai marqué sur. It's the Reapers, and we're not ready for them, not by a long shot. Tell that to the Defense Committee. Unless we're planning to talk the Reapers to death, the committee is a waste of time. They're just scared. None of them have seen what you've seen. We've all reviewed your report, seen the data you've collected, but it's all just theory to us. You've been there in the trenches, fighting them. You know what they're capable of. That way they grounded me, took away my ship. You know that's not true. The shit you've done, any other soldier would have been tried, court-martialed, and discharged. It's your knowledge of the Reapers that kept that from happening. That and your good word. Yeah, I trust you, Shepard. And so does the committee. I'm just a soldier, Anderson. I'm no politician. I don't need you to be either. I just need you to do whatever the hell it takes to help us stop the Reapers. They're expecting you to, Admiral. Good luck in there, Shepard. Anderson? Shepard. Kate. How'd it go, baby? Okay, I think. Hard to know. I'm just waiting for orders now. Admiral. Come on. You know the commander. I used to. Shepard. What's the situation? We were hoping you would tell us. The reports coming in are unlike anything we've seen. Our colonies have gone dark. We lost contact with everything beyond the Sol Relay. Whatever this is, it's incomprehensibly powerful. You brought me here to confirm what you already know. The Reapers are here.
Then, how do we stop them? Stop? This isn't about strategy or tactics. This is about survival. The Reapers are more advanced than we are, more powerful, more intelligent. They don't fear us. And they'll never take pity on us. But there must be some way. Alors là, pareil, j'ai encore le choix. Donc on défend ses positions. Donc là, c'est on se bat ensemble ou la survie avant tout. Donc, je crois que je prends le premier choix. If we're gonna have any chance at surviving this, we have to stand together. That's it. That's our plan. Admiral, we've lost contact with Luna Base. Boom. It couldn't be that close. Bon, je pense que pour l'instant, comme c'est que le début du jeu, a priori, parce que j'en vois, les choix des réponses ne sont pas vraiment. Ne changeront pas vraiment quelque chose de scénario. Je veux dire, j'ai fait déjà une fois la démo. Sans choix de réponse. Scène d'introduction, scène de dialogue assez long, mais je voulais la laisser entièrement, je pense que normalement on peut la couper à sa paix, mais bon. Je sais pas, je voulais la laisser parce que c'était vraiment extraordinaire, ça mettait vraiment la place, on est vraiment dans le bel, je veux dire, de l'œuf où je suis, de X pour couper, ok. Au début c'est très simple, je répète encore, je n'y connais absolument rien à Mass Effect, hein, donc je ne peux pas faire de comparaison entre le deuxième et le troisième. C'est une nouveauté ou pas, je ne sais pas. Pour l'instant, je vous fais découvrir cette vidéo, c'est déjà pas mal. Peut-être que je peux faire. Donc voilà, donc là, je dois suivre l'amiral pour aller rejoindre mon vaisseau. C'est normal, si je me trompe. La démo est bien basée, franchement elle dure assez longtemps, elle dure, je crois, elle dure plus d'une heure, une heure et demie. Elle est divisée en deux parties, donc la partie que je vous montre là, et l'autre partie qu'on ne verra pas malheureusement par manque de temps, parce que j'ai un manque de temps, qui se passe quelque temps après, bien plus longtemps après ce passage. Tirer sur les ennemis, c'est pas mal. C'est vrai que ça fait garder un petit FPS comme ça. Un petit FPS plutôt. Hein. Ah, je vois. Ah,
Come on, we gotta move. Un tank rendage, il est là. Une gestion assez limitée. Hein. Ah non, je disais aussi. C'était pas normal. Et du coup, quoi encore? Voilà, c'est ça. Là, c'est scripté par contre. Hein. Voilà, tant que j'ai pas mis mon livre, je pourrais pas faire autre chose. C'est pas mal scripté. Ah, est-ce que c'est un point faible avec défaut? Voilà. Donc on gagne pas l'expérience. Ça fait, c'est comme dans les Assassin's Creed, tu vois. C'est le petit qu'on a vu tout à l'heure au début de la vidéo. C'est ok. Désolé, c'est sombre, mais je peux pas faire autrement. Come here. I need to get you someplace safe. Take my hand. You can't help me. Ouais, je pense qu'on est un peu. C'est, on a le choix de réponse, mais c'est assez scripté. Pour les mots, je parle. Après, pour le jeu original, on verra plus tard. Mais là, c'est assez scripté, je pense. Même si on a un choix de réponse. This is a goddamn mess. Every minute these machines are here, thousands of people die. I won't be responsible. It's hard enough fighting a war, but it's worse knowing no matter how hard you try, you can't save them all. Exactly. That's so fast. I thought we'd have more time. We knew they were coming. And they still just cut through our defenses. We need to go to the Citadel, talk to the Council. The Citadel? The fight's here. It'll be everywhere soon enough. You said it yourself. The Reapers will destroy everything if we don't stop them. The Council has to help us. You sure about that? No, but you were a Council Spectre. That has to count for something. Gotcha! Thanks. I owe you one. More than one. Grab some ammo. Reload, let's keep moving. Ouais, donc là, c'est une ligne, c'est toujours chargé. Ouais, on continue, on avance. Ah, franchement, c'est très. C'est les deux phases de gameplay qu'on a eues, elles sont assez respectées. Oh, on n'a pas le choix. On est obligé de faire ce qu'il faut. Donc, après, est-ce que c'est un bon point ou un bon point par rapport au jeu? Aucune idée, je peux pas me. Voilà, c'est là. Ouais, je fais un cours, hein. J'ai déjà fait la vidéo. La démo, donc je connais un peu. C'est méchant. Keep your head down. Bah donc en bas de l'écran, vous voyez une forme d'arc-cercle bleu. C'est une sorte de protection de bouclier, on peut dire ça comme ça. Et la barre rouge en dessous qui a vachement diminué, c'est ma barre de santé. Donc une fois que la barre bleue est vide,
c'est la synthé qui prend. Et en haut de l'écran, c'est la vie des méchants que... Moi, je tiens dessus. Chercher une radio qui est sur qui est par contacté. Là c'est sans le menu, donc j'ai essayé de m'en mettre une de la vie pour voir. Non, ça c'est derrière. C'est pas ça. C'est pas ça, ça c'est pour les armes. Ouais, non, en fait toujours pas. Bon, c'est pas grave. Je pensais que j'avais tout de vie sur ma scène médicale. Pas de soucis. Voilà, là j'ai trouvé une alarme et la radio. Voilà, on va pas tarder à arrêter la vidéo, mais on arrive à la fin de cette première section de mémo. On va continuer sur la fin. By a downed gunship in the harbor. I'm activating his distress beacon. Send support. We've got wounded down here. Major! Let's hope that beacon does its job. And fast with that compass. Voilà, il faut que je tienne jusqu'à ce que les renforts arrivent.
Dernier choix, je vais vous oublier. We're in this fight together. It's a fight we can't win, not without help. We need every species and all their ships to even have a chance at defeating the Reapers. Talk to the council. Convince them to help us. What if they won't listen? Then make them listen. Now go, that's an order. I don't take orders from you anymore, remember? Consider yourself reinstated, Commander. You know what you have to do. I'll be back for you, and I'll bring every fleet I can. Good luck. You too, Joe. Voilà, c'était la démo de Mass Effect 3. Donc j'espère que vous avez aimé. Moi, franchement, j'ai adoré cette démo. J'ai envie de m'acheter le jeu quand j'aurai le moyen. Mais aussi d'abord de me procurer les premiers opus. Sur ce, je vous dis ciao. À bientôt. Et prenez soin de vous. À plus.